Dans l'actualité ce soir, les producteurs de coton du Burkina fixés désormais sur le prix du coton. Cette campagne, le kilogramme de coton sera acquis à 235 francs pour le premier choix et 210 francs pour le second choix. Ainsi en a décidé ce matin l'association interprofession cotonnière du Burkina. Vous entendrez ses responsables dans ce journal. Et puis, nous accompagne dans ce journal le directeur général des affaires juridiques du Conseil supérieur de la communication. Vous le savez, le Conseil vient de suspendre les émissions d'expression directe sur les médias audiovisuels pour une durée de 3 mois. Pourquoi la mesure et n'est-ce pas une décision liberticide? Lui, Modeste Ouédraogo, nous répondra tout à l'heure. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le prix d'achat du coton en graines au Burkina est désormais fixé pour la campagne agricole 2015-2016. Le premier choix est négocié à 235 francs le kilogramme et le second choix à 210 francs le kilogramme. C'est l'association interprofession cotonnière qui en a décidé au terme de sa rencontre annuelle ce matin dans la capitale burkinabé. Autre information portée à la connaissance des cotonculteurs, cette année, les ristournes ne seront pas payées par les sociétés cotonnières. On attend environ 710 000 tonnes de coton pour cette campagne. Ernest Cambiré. C'est fait. Les producteurs burkinabés de coton sont désormais fixés sur le prix d'achat du coton graine. Pour la campagne 2014-2015, le coton graine premier choix leur sera acheté au prix plancher de 235 francs CFA et 210 francs CFA pour le coton graine deuxième choix. Pour les prix de cession des intrants, ils connaissent une légère augmentation par rapport à la campagne écoulée. Ainsi en a décidé l'association interprofession cotonnière du Burkina ICB au cours de sa conférence annuelle. Je ne m'attendrai pas à une remontée de prix, mais si aujourd'hui le mécanisme avec l'appui de tout un chacun, nous sommes à 235, je pense que c'est une bonne affaire pour les producteurs de coton. Pour l'ensemble des 3 zones cotonnières du pays, que sont Sofitès, Faso Coton et Sokoma, la production annuelle 2014-2015 est estimée à environ 710 000 tonnes de coton graines contre 650 000 enregistrées la campagne écoulée, résultat qui fait du Burkina le premier pays producteur de coton en Afrique. Pour la campagne 2014-2015, 160 milliards de francs CFA de recettes brutes est attendu, dont 107 milliards de francs CFA seront reversés aux producteurs après précompte de tous les crédits de campagne. Toutefois, et en application des dispositions du règlement du fonds de lissage, il n'y aura pas de paiement d'une ristourne au titre de cette campagne. On ne va pas enregistrer de ristourne pour la simple raison que le prix de référence donc obtenu au cours de la campagne 2014-2015 a été en deçà du prix plancher que nous avons appliqué. Réconforter donc les producteurs, les rassurer, les appeler à semer la graine de la cohésion au sein de leur filière et de leur union, c'est tout l'enjeu des échanges que les responsables de l'ICB et des sociétés cotonnières ont eu avec les délégués venus des différentes zones de production. C'est une bagarre qui ne nous arrange pas du tout parce que nous, ça va impacter véritablement la bonne marche de la filière. Nous continuerons de travailler à planir un peu cette divergence qui se situe au niveau de la filière. Cette rencontre d'échanges et d'informations a permis également aux différents acteurs de la filière de se fixer un objectif global de production de coton, graines estimées au plan national à 800 000 tonnes pour la campagne 2015-2016. Avant de poursuivre, sachez que le président du FASO, Michel Kafando, a reçu cet après-midi Amadou Konaté, ministre malien de la Solidarité et de la Réconciliation des régions du Nord. Le ministre malien était porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. On écoute Amadou Konaté à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Hortense Evelyne Yelemou. Rien n'a filtré du message du président malien adressé à son homologue burkinabé. Le ministre Amadou Konaté, porteur du message, dit avoir discuté avec Michel Kafando des sujets d'intérêt commun aux deux peuples. J'ai pu me rendre compte de la convergence des intérêts entre nos deux pays et de notre souci commun de voir le Sahel devenir une zone de prospérité, une zone de développement et de voir les différents pays parvenus
à une commune intelligence des enjeux. En retour, le président du FASO a marqué également la solidarité du peuple burkinabé à l'endroit de celui du Mali. Le Mali, qui est à la fin de son processus de dialogue engagé avec les groupes armés du Nord et en attente de la signature de l'accord. Il a été question de ce dialogue, mais pour se réjouir du fait que le processus a été bien conduit, il a été un processus inclusif, il a été un processus conduit avec la participation de tous les pays frères, la participation de la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous avons des éléments clés de ce que doit être le retour d'une paix durable et la mobilisation du peuple du Mali. Le Burkina Faso fait partie de l'équipe internationale de médiation au Mali. Comme tous les autres pays, il espère une paix durable après la signature du processus. Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur de la communication suspend les émissions d'expression directe sur les radiodiffusions sonores et télévisuelles, à l'exception des programmes portés sur la santé et ceux à caractère ludique, sentimental et culturel. Comment les Ouagalais apprécient la mesure? Amadine Lalsaga s'est intéressée à leur avis. On les écoute. On apprécie ça un peu positivement, vu la situation des transitions. Si on laisse les gens appeler, souvent il y a d'autres qui ne savent pas causer. Donc ça monte les gens. Donc je pense que bon, c'est pas bien pour les libertés d'expression, mais je crois que c'est mieux. Sinon, là où on va là, ça risque de reproduire les mêmes effets comme on a eu la fois passée. On a tous l'impression même que c'est à cause de la transition. Ça va perturber la transition. Alors que la liberté d'expression, c'est très fondamental, c'est très important pour une démocratie. Où la transition s'inscrit dans la démocratie, ou elle ne s'inscrit pas dans cette logique de démocratie. Si on est dans une démocratie, on ne doit pas suspendre. On doit plutôt écouter pour intégrer les critiques et avancer. On a l'impression également qu'on suspend pour permettre à la transition de travailler. Donc, du coup, cette démocratie-là est biaisée. C'est un recul démocratique, j'allais dire, parce que des gens se sont battus ici au Burkina Faso. On a vu le journaliste Nobel Zongo qui est décédé et qui a donné sa vie pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, quand on suspend des émissions, moi je pense que c'est un recul véritablement de la liberté d'expression. Et véritablement, je ne sais pas là où ça peut nous conduire, quoi. C'est bien, parce que comme ça, sinon si on va laisser les gens la voix parler, comme on a tant de... Il reste quelques jours seulement, on va faire le vote. Si on va laisser les gens va parler, c'est là-bas même que les gens là en train de... C'est là-bas que les gens sont en train de faire parler là. Je pense qu'à l'avenir, le CSC gagnerait à recenser les radios fautives, à les sanctionner de façon bien ciblée, que de prendre des décisions comme ça générales et qui nuisent énormément aux radios de façon générale, même si ça ne dure que 3 mois. Voilà, on en vient donc à notre invité, lui, Modeste Ouédraogo, directeur général des affaires juridiques du Conseil supérieur de la communication. Bonsoir, Monsieur Ouédraogo. Bonsoir, Monsieur Kindo. Et merci de venir répondre aux questions des Ouagalais, des Burkinabés en général, mais aussi à nos questions. Le Conseil supérieur de la communication vient de suspendre des émissions interactives sur les radios et télé du Burkina. Pourquoi cette mesure? Alors, merci à vous de nous donner l'occasion de communiquer sur cette mesure de suspension du Conseil supérieur de la communication. Alors, il faut dire que depuis les événements d'octobre 2014, le Conseil supérieur de la communication a entrepris un certain nombre d'actions allant dans le sens d'une communication sociale apaisée. Parce que On s'est rendu compte que il y a eu beaucoup d'engouement envers les médias, et les médias ont été utilisés par les populations pour exprimer leurs opinions sur divers aspects, et ils étaient bien dans leurs droits et à la liberté d'expression. Mais le Conseil s'est rendu compte qu'il y avait des dangers sur la manière dont ces médias étaient utilisés. C'est pour cela que des actions ont été entreprises dans le sens de l'apaisement du climat social.
Et au nombre de ces actions, on peut citer une campagne de sensibilisation entreprise par le Conseil supérieur de la communication en direction du public qui utilise les médias, mais aussi qui consomme l'information. Alors, cette campagne de sensibilisation s'est traduite par des micro-programmes qui ont été d'ailleurs diffusés par la RTB, donc rappelant les règles minimales qui doivent gouverner l'utilisation des médias. Cette campagne a également concerné les médias, c'est-à-dire les animateurs des émissions d'expression directe, qui ont bénéficié de formations à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et ces formations aussi devraient permettre à ces médias, à ces animateurs, de se rappeler les règles éthiques et déontologiques qui gouvernent les activités d'information et de communication et d'éviter que ces émissions-là ne soient vraiment des canaux de diffusion d'informations erronées ou de violations des droits humains. Alors, pour cela, il faut aussi relever que les raisons qui ont motivé les CIC, la principale raison, c'est sauvegarder la paix sociale. Alors, mais c'est au regard de tous les efforts de sensibilisation et de formation qui sont restés, à quelque part, infructueux, que le CIC, sur la base des constats faits, c'est-à-dire l'observation particulière qui nous a permis de voir beaucoup de manquements, beaucoup de dérives constatées au cours de ces émissions, donc le CIC a entrepris donc de prendre cette mesure, mais il faut savoir que ça n'a pas été une mesure qui a été prise à la légère. La mesure a été difficile à prendre, mais il s'agissait d'une mesure responsable qu'il fallait prendre pour sauvegarder la paix sociale, parce que dans ce contexte, nous sommes en train d'aller vers des élections et il était très important de prendre des mesures pour sauvegarder la paix sociale, la cohésion sociale, pour que les échéances à venir puissent se dérouler dans la paix. Justement, quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir que nous avons proposé. Est-ce que vous connaissez les radios fautives et pourquoi ne pas directement les épingler que de vouloir taper dans la fourmilière de façon générale? Alors, disons qu'il faut reconnaître ici qu'on a peu de choses à reprocher à certaines radios. À d'autres, on a beaucoup de choses à leur reprocher. Alors, il ne faut pas interpréter la mesure actuelle du CIC comme une sanction. Ça y ressemble, mais ce n'est pas une sanction. Parce que si c'était une sanction, le CIC allait se baser sur des faits pour sanctionner. Le CIC allait suivre une procédure, parce qu'il y a une procédure à suivre pour aboutir à la sanction. Ça n'a pas été le cas, donc ce n'est pas une sanction. C'est une mesure préventive. C'est une mesure conservatoire, dans la mesure où le CIC doit veiller à protéger la personne humaine et la société en général contre les dangers pouvant résulter de l'activité du secteur des médias. Alors c'est en vertu de ce pouvoir de régulation que le CIC est intervenu pour prévenir tout dérapage pouvant être préjudiciable à la paix sociale. Donc il ne s'agit pas là d'une sanction, parce que le CIC n'a pas, en tout cas, indiqué les faits incriminés. Le CIC n'a pas nommément désigné une radio ou une télévision qui aurait fauté. Alors il ne s'agit pas d'une sanction, mais plutôt d'une mesure préventive, une mesure conservatoire. Oui, M. Ouédraogo, il ne s'agit pas d'une sanction, vous le dites, mais quelqu'un aussi l'a dit, est-ce que ce n'est pas un recul démocratique? Est-ce que ce n'est pas une mesure liberticide? Si l'on sait que ces émissions ont toujours existé dans le paysage médiatique au Burkina, si l'on sait également que le fondement de l'insurrection des 30 et 31 octobre, c'est la liberté d'expression, est-ce que quelque part, vous n'allez pas dans le contresens de la transition, comme, si on peut le dire ainsi? Alors là, je voudrais tout de suite vous rassurer, il ne s'agit pas d'un recul, dans la mesure où déjà il y a eu un exemple de décision qui a été prise par le CIC en 1997 et qui avait également visé la suspension. Norbert Zongo également, le CIC avait pris des décision dans ce sens. Oui, mais en réalité, ici, il faut préciser que la décision n'est pas une décision sanction, et du moins n'est pas un recul, excusez-moi, dans la mesure où, quand vous considérez le contenu et la portée de la décision,
vous vous rendrez compte que non, il ne s'agit pas d'une décision, il ne s'agit pas d'un recul, parce que certes, la décision restreint un espace de liberté, mais la décision ne supprime pas l'espace de liberté. Il ne s'agit aucunement d'une interdiction des émissions d'expression directe. La preuve est que vous-même, vous l'avez annoncé, qu'il y a des émissions qui ont été exemptées du champ d'application de cette décision. Les émissions à caractère ludique, les émissions à caractère culturel, et les émissions sentimentales et portant sur la santé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que ce genre d'émissions ne porte pas en elles des risques graves de troubles à la paix sociale. Par contre, d'autres types d'émissions que vous savez sont en tout cas porteuses de risques graves, et on constate qu'au cours de ces émissions, il y a divers manquements allant de la violation des droits de la personnalité au délit d'incitation, incitation à la haine raciale. Par exemple, l'émission controverse de la RTB qui va se passer dans quelques minutes à 21h pour ne pas dire l'heure. Et c'est une émission au cours de laquelle les téléspectateurs appellent pour donner leur avis. Est-ce que de genre d'émissions comme ça sont concernées par la mesure? Ah ben, je dirais a priori non, parce que si je vous donne une définition des émissions d'expression directe telles que comprises par le Conseil supérieur de la communication, c'est quoi? C'est toute émission diffusée en direct sur les antennes des radios ou des télévisions et au cours de laquelle les auditeurs ou les téléspectateurs interviennent directement par appel téléphonique pour réagir à une actualité ou pour donner une information. Alors, c'est ça une émission d'expression directe. Mais, à ce que je sache, votre émission controverse ne permet pas une réaction directe. Les appels sont accumulés en off, et c'est par la suite que vous faites un travail, certainement. Une modération. Une modération avant de venir lire les questions des téléspectateurs. Et sur cette base, a priori, votre émission n'est pas concernée, puisqu'elle ne fait pas intervenir directement à l'antenne des auditeurs ou des téléspectateurs, parce que c'est là tout le danger qu'on veut éviter. Quand les émissions, quand les téléspectateurs interviennent directement à l'antenne, même quand il y a des dérapages, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez que dire non, arrêtez, monsieur, mais il a déjà commis, en tout cas, souvent l'irréparable. Oui, vous l'avez dit, monsieur Modeste Ouedraogo, la décision est conservatoire, c'est-à-dire, c'est pour préserver, comme vous le dites, et elle court 3 mois, je crois. Maintenant, durant cette période, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez procéder à la formation, vous l'avez déjà évoqué, ou bien vous allez équiper les médias, ou comment ça va se passer? Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Le journaliste, bien qu'il soit bien formé, qu'il soit averti des questions d'éthique et de déontologie, l'auditeur qui appelle ou le téléspectateur qui appelle pour parler en direct, comment il peut arriver à pouvoir jouer sur le point de vue qu'il va donner? Alors, c'est là toute la problématique qui se pose actuellement au Conseil supérieur de la communication, mais pas à lui seul, mais à tous les acteurs du secteur des médias. C'est comment trouver un mécanisme qui puisse permettre aux émissions interactives de demeurer, mais d'être mieux canalisées. Comment permettre aux radios, aux médias audiovisuels en général, de pouvoir maîtriser leurs choses. Alors, donc, la question se pose parce qu'il y a des mesures techniques qui sont possibles, et d'autres médias le font au niveau international, des mesures techniques pouvant permettre à ces médias-là de différer les contributions directes. Maintenant, Et même de pouvoir localiser l'intervenant. S'il est à Ouagadougou et il dit qu'il est quelque part à Falangountou, on est capable de pouvoir dire, voilà, votre appel vient de cette localité. Oui. Ça, c'est un aspect. Mm-hmm. Il y a aussi le fait que pour ces médias internationaux que vous dites, l'auditeur ou le téléspectateur appelle, il donne son numéro, on le rappelle. Oui. Il ne dépense pas pour donner son point de vue. Oui. Et donc, il y a tout un ensemble d'actions qui permettent de pouvoir maîtriser le contenu. Mais ici, est-ce que le CSC va dans ce sens pour encourager les médias?
À ce niveau, il faut dire que le CEC est déjà sur ce terrain, puisque les actions de formation du CEC se poursuivent jusqu'à l'heure actuelle et vont continuer pour le temps qu'il faut pour amener nos médias donc à un meilleur respect des règles éthiques et déontologiques, particulièrement dans la conduite de ces émissions, mais aussi de manière générale dans l'animation des médias. Alors maintenant, pour les équipements, vous savez que cela pose un problème de financement. Et à l'heure actuelle, le CEC ne dispose pas de moyens financiers, des moyens financiers nécessaires pour financer l'acquisition de ce genre d'équipement. Mais la réflexion est lancée. Je pense que ça n'interpelle pas que le CEC. Tous les acteurs sont interpellés pour qu'on voit comment on peut conserver vraiment ces émissions, mais essayer donc de les améliorer dans leur contenu. Parce qu'on se rend compte que ces émissions ont une utilité sociale avérée. Alors, on doit réfléchir à comment on peut les améliorer, c'est-à-dire permettre aux radios et aux télévisions d'acquérir des équipements à même de pouvoir leur permettre de respecter les termes de la décision du CEC, c'est-à-dire pouvoir identifier les intervenants à l'antenne, mais aussi pouvoir enregistrer toutes les contributions dans le but de les diffuser plus tard. Au bout de 3 mois, on fait quoi? Au bout de 3 mois, je pense que c'est au conseil, au collège des conseillers, parce qu'il faut préciser ici que la décision a été prise par le collège des conseillers, et c'est en son nom et au nom de la présidente du CEC que j'interviens ici ce soir. Alors, au bout de 3 mois, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je suis sûr que le CEC est en train de réfléchir déjà à comment gérer toute cette période. Oui, il y a l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, qui préconise l'autorégulation des journalistes. Qu'est-ce que le CEC fait pour soutenir cette démarche, certainement qui peut aider aussi à réguler le contenu des émissions d'expression directe sur les antennes? Déjà, il faut dire que le CEC a appelé la création de l'OBM de tous ses voeux depuis longtemps, parce que, vous savez, l'autorégulation bien menée vraiment dispenserait le CEC de sa lourde tâche. Parce que il y a 2 aspects dans l'autorégulation. Il y a l'autorégulation interne et l'autorégulation externe. L'autorégulation interne a fait l'objet de plusieurs recommandations de la part du CEC en direction des médias, c'est-à-dire que le CEC a invité les médias à créer en leur sein des cellules de contrôle donc des contenus pour éviter donc les graves manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie. Ça, c'est l'autorégulation interne et le CEC a toujours encouragé et a toujours interpellé les médias sur la nécessité de le faire. Alors, l'autorégulation externe, bien sûr, c'est celle qui est assurée par l'OBM, et le CEC a soutenu en tout cas la création de l'OBM. Et actuellement, il y a des relations de collaboration très cordiales, d'ailleurs, qu'il faut saluer, entre les autorités de régulation, la régulation administrative qu'est le Conseil supérieur de la communication, et donc l'association des professionnels qu'est l'OBM. Donc il y a une bonne collaboration et il faut le noter, les deux formes de régulation sont complémentaires et si elles fonctionnent normalement, vraiment notre paysage médiatique se trouverait, s'emporterait mieux. Merci à vous, Louis Modeste Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes directeur général des affaires juridiques du Conseil supérieur de la communication, le conseil qui vient de prendre une décision allant dans le sens de suspendre les émissions interactives sur les radios et télé du Burkina pour une période de 3 mois. Merci d'être venu pour répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, une question: faut-il suspendre la mise en œuvre du système LMD, licence master doctorat, dans les universités du Burkina? Le sujet divise la communauté universitaire. Si certains syndicats de professeurs et d'étudiants le réclament, d'autres refusent de se mettre en marche de la mondialisation du système éducatif. Suspendre ou poursuivre la mise en œuvre du système LMD, c'est le sujet de l'émission Controverse tout à l'heure à 21h sur les antennes de la télévision nationale. Je vous propose ici un extrait des réactions recueillies avant l'émission et qui seront diffusées pendant l'émission. Non, moi, je préfère encore la suspension de ça, sinon ça met les étudiants en retard.
Tu vas aller à l'université 2-3 ans sans diplôme, ce n'est pas intéressant. Tu vas souffrir. Moi, je me prépare pour l'université, pour faire anglais. Ça, c'est productif. Et c'est en faveur des élèves. Je ne sais pas, peut-être que c'est à voir comment mettre ça en application effectivement ici. Bon, sinon, vraiment, je crois que c'est mieux qu'on s'accorde sur ça pour pouvoir mettre ça en place en faveur de nos étudiants. Vu le système, vu les difficultés qu'on a, des problèmes financiers, je pense que c'est mieux de le retirer et après, quand ils vont bien préparer le terrain, envoyer les moyens matériels et financiers pour ça, ils vont réappliquer ça. Pour moi, le système LMD doit être amélioré pour permettre aux étudiants quand même de poursuivre sereinement les cours. Voilà, rendez-vous à 21h sur les antennes de la télévision du Burkina pour l'émission Controverse. Simon Bongo et ses invités se feront le plaisir de discuter largement de ce système. Le nouveau président du PDS, Metba, et son équipe étaient face à la presse ce matin. Philippe Ouédraogo et ses camarades ont fait le bilan du congrès extraordinaire du parti tenu les 2 et 3 mai derniers. Ils en ont profité pour donner leur lecture de l'ambiance tendue qui a prévalu au cours des travaux du congrès. Haruna Mari. Le congrès extraordinaire des 2 et 3 mai derniers du PDS Metba, le parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs, qui devait trouver un successeur à feu Ama Arwa Diallo, a connu quelques incidents, et pour cause. Pour l'élection au poste de président, deux candidats se sont déclarés, le premier vice-président sortant, Étienne Traoré, et Philippe Ouédraogo, membre d'honneur. Ces candidatures concurrentes ont occasionné des débats longs et houleux, aucun des candidats n'acceptant de se retirer. À la suite des interventions de certains congressistes, une conciliation entre les deux candidats puis une médiation ont été successivement proposées. Mais elles n'ont rien donné. À en croire Philippe Ouédraogo, les travaux se sont poursuivis après le retrait du candidat Étienne Traoré. Il affirme par ailleurs avoir été élu avec 111 voix pour sur les 129 votants. La division a-t-elle gagné les rangs des bâtisseurs ? On peut être en colère, on peut être déçu, on peut ne pas être satisfait d'une situation, mais il faut peut-être prendre le temps de laisser tomber la colère et de regarder les choses objectivement. Notre intérêt commun, c'est que le parti aille de l'avant et se développe. L'idée d'une fusion n'est pas à l'ordre du jour, a expliqué le président du parti. Du reste, il a laissé entendre qu'à défaut de présenter un candidat à l'élection présidentielle prochaine, le parti explore des pistes pour soutenir un candidat de gauche. Une délégation de l'UNDD était à Batié dans le Noumbiel pour une assemblée générale. Devant les militants et sympathisants, la délégation s'est voulue plus explicite sur la situation nationale politique. Draman Dadian sur place à Gawa pour le compte-rendu. Accueil de la délégation de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement à Batié. Face aux militants et sympathisants du Noumbiel, la 7e assemblée générale. Franck Sankara du PUC, Patriote Uni pour le Changement, et Noël Yamiogo du bureau politique de l'UNDD ont dépeint la situation politique nationale et fustigé de nouveau les dispositions actuelles du code électoral révisé. Cette loi-là ne vise pas la fédération, la collégialité générale, les peuples. Nous avons peur que par la suite, les événements ne s'exacerbent. Parce que nous connaissons notre peuple, et quand le peuple se sent rejeté, une partie du peuple se sent rejeté, et il est certain que ce peuple-là va réclamer ses droits. Occasion également d'informer les militants de l'ex-majorité dans le Noumbiel de la création d'un cadre dénommé « Appel à la mobilisation patriotique pour une transition inclusive et démocratique », ce qui, de l'avis des militants à la base, augure de belles perspectives. De l'entretien à tout éclairer. Voilà, parce que maintenant, c'est comme l'ensemble des partis qui s'étaient mis ensemble vont pouvoir prendre un nom. Voilà, et comme ça,
C'est-à-dire qu'on unit nos forces pour les élections à venir. Pour l'heure, poursuivre les émissaires, l'ex-majorité a opté pour la voie judiciaire. Justement, la voie judiciaire dont il est ici question se révèle pour l'instant infructueuse. La requête du CDP, de l'UNDD et de leurs alliés de l'ex-majorité formulée au Conseil constitutionnel afin de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions du code électoral relatives à l'exclusion des prochains scrutins de tous ceux qui ont ouvertement soutenu la modification de l'article 37 a été jugée irrecevable par le Conseil. L'irrecevabilité de cette requête est imputable à un vice de forme. Le code électoral promulgué reste donc en vigueur. Le mouvement Le Balai Citoyen, solidaire des manifestants de Burundi, ce matin, il a organisé un rassemblement à Ouagadougou pour manifester son soutien aux opposants à un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza Bouma Nibié. Des membres postés au feu du rond-point des Nations Unies, des banderoles et des affiches qui montrent les objectifs de leur mouvement de ce matin, des chansons et des cris de cœur, ici sur le rond-point, voilà comment le Balai Citoyen apporte son soutien au peuple burundais qui vit actuellement une crise sociopolitique. Une crise qui est partie de la contestation par l'opposition de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à la présidentielle de juin prochain. Ensemble, on lutte avec le Burundi. Ensemble, on lutte avec le Burundi. Bon, ce mouvement, c'est pour marquer notre solidarité encore une fois avec le peuple burundais. Un peuple en lutte qui est en train de payer le prix de cette lutte. C'est donc à nous de soutenir cette action et de refuser cette forfaiture que le président burundais est en train de tenter de mettre en place. C'est refuser qu'une telle équation puisse être encore réalisable sur le continent africain. Selon le Balai Citoyen, cette crise qui a déjà fait des morts est similaire à celle qui s'est passée au Burkina. Pour le mouvement, Pierre Nkurunziza ne doit pas s'éterniser au pouvoir au détriment de son peuple. Nkurunziza, nous ici, nous sommes Kura Kura. Donc Kura Kura sera du Burundi à du Kuroke. Kura Kura, on va Kuroke. Kura Kura, on va Kuroke. Kura Kura, on va Kuroke. Je pense qu'on a dû dépasser déjà la dizaine de morts et c'est dommage. C'est dommage que les mêmes causes qui produisent les mêmes effets se reproduisent un peu partout sur le continent. Le Balai Citoyen dit mener la lutte jusqu'à la libération du peuple burundais. Il invite par ailleurs les mouvements frères des autres pays africains à en faire autant. Le centre social des armées burkinabées est désormais bien logé. Il est situé au sein du camp Lamizana à Gungen, dans la capitale burkinabée. Le centre entend créer les conditions d'une plus grande solidarité et de convivialité au sein des familles des militaires, mais aussi au sein des militaires. Injanine Kambire. Bâti sur une superficie de 5 400 m², le siège de la direction centrale de l'action sociale des armées trône désormais dans l'enceinte du camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana. L'infrastructure construite par la direction centrale du génie civil comprend un bâtiment principal abritant 15 bureaux, une salle de réunion, deux blocs de toilettes et des ouvrages et aménagements annexes. Cet édifice qui a coûté environ 171 500 000 francs CFA vient donner un nouveau souffle et une visibilité à la direction. De l'autre côté, on était confinés au niveau de l'ex-SIBAM avec l'inspection, l'institution des sapeurs-pompiers. Et là, vraiment, c'était très difficile d'indiquer même aux usagers où nous sommes situés. Et actuellement, avec ce joyau, vraiment, nous pensons que nous serons beaucoup plus à l'aise. Créée le 1er juin 1964, la cellule du service social des Forces armées nationales a été érigée en direction en 2007. Une volonté pour le commandement de placer la protection et la promotion sociale des militaires et de leurs familles au cœur de ses préoccupations. Alors, le service social des armées qui va en tout cas se déployer dans ce nouveau édifice va contribuer à accomplir ses missions et pour renforcer la fraternité et donc la solidarité en notre sein, et aussi suppléer aux besoins des familles lorsque les militaires sont en mission.
La direction centrale de l'action sociale des armées envisage dans un proche avenir le pavage de la cour, la construction des sièges des directions régionales et la réhabilitation des centres sociaux et centres d'éveil et d'éducation préscolaire du camp général Aboubacar Sangoulé Lamizana. Le monde a besoin aujourd'hui plus que jamais des sages-femmes. C'est le thème de célébration de la Journée mondiale des sages-femmes. L'association burkinabé des sages-femmes a donc commémoré cette journée ce 5 mai à Pau, dans le Naouri. Une commémoration sur fond d'engagement de ces acteurs de la santé face aux chiffres inquiétants de la mortalité maternelle et néonatale. Achille Kabore. La sage-femme, c'est elle qui veille avant, pendant et après l'accouchement au bien-être du couple vulnérable que constituent la mère et l'enfant. Selon le rapport mondial de la pratique de sage-femme, 73 pays dont le Burkina Faso enregistrent à eux seuls 92% des décès maternels et néonatals dans le monde. Pourtant, le même rapport révèle que sur les 754 décès maternels enregistrés au Burkina en 2013, 655 pouvaient être évités si des services de sage-femme de qualité leur avaient été accessibles. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme commémorée cette année à Pau, les praticiens de ce métier se sont engagés à travailler pour infléchir cette courbe de la mortalité maternelle et néonatale. Nos messages clés quand nous partons pour rencontrer nos collègues sages-femmes, c'est leur dire de travailler dans l'abnégation et d'avoir de l'empathie et de la compassion pour les femmes et s'occuper très bien des femmes parce que nous avons prêté un serment pour que les sages-femmes, pour que les femmes soient heureuses et donner naissance sans conséquences néfastes. Cette journée a également été l'occasion pour les sages-femmes, regroupées au sein d'une association, de renseigner le public sur la richesse de leur savoir-faire à travers une série d'activités. Et ceux qui œuvrent à leur côté pour l'atteinte de leurs objectifs n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Des partenaires sociaux réfléchissent à Ouagadougou sur l'organisation des services de santé et les visites médicales dans les services. Ils sont environ une centaine à prendre part à cette rencontre de sensibilisation, mais aussi d'information. Evelyne Davidé. Les services de santé au travail visent la surveillance de la santé du travailleur avec les risques encourus au travail. Les visites médicales des employés doivent être régulières et sont une obligation pour les employeurs. Mais le constat est que tous les employeurs ne se plient pas à cette réglementation ou ne respectent pas les normes de qualité imposées à ces structures sanitaires. Au niveau des normes, les locaux, si vous vous rendez compte, quand vous allez dans les services de santé au travail, que vous appelez infirmerie d'entreprise, souvent on vous donne une seule salle et on dit c'est l'infirmerie de l'entreprise. Alors que les textes nous demandent d'avoir au minimum 3 salles avec des sanitaires et des salles d'attente. Donc ça ne répond pas aux normes et souvent la surface également n'est pas réglementaire. Et en plus de ça, le personnel qui officie n'est pas toujours le personnel qualifié. D'où cet atelier initié par le ministère en charge de la fonction publique. Il a pour objectif d'expliciter la finalité de ces visites médicales et de vulgariser les textes réglementant les services de santé au travail. Il est question surtout de vulgariser donc ces textes qui ont été récemment pris et qui ne sont pas connus et harmoniser donc les compréhensions sur le fonctionnement de ces services de santé au travail. Durant 48 heures, l'Office de santé des travailleurs et l'inspection médicale du travail vont échanger avec les 90 participants qui sont des employeurs et des directeurs des ressources humaines afin de faire de la médecine du travail un atout pour le travailleur. En sport, le Burkina Faso abrite depuis hier le tournoi qualificatif de volley-ball pour les Jeux africains de Brazzaville 2015. 4 pays de la zone 3 se disputent les 4 places. Il s'agit du Niger, du Nigeria, du Ghana et du Burkina Faso. La première journée disputée hier a été riche en couleurs, nous dit Ekini Daba. Deux tickets à prendre chez les dames comme chez les hommes, c'est l'objectif principal
DEI qui prennent part à ce tournoi qualificatif des Jeux africains de Brazzaville 2015. Le Nigeria, le Ghana, le Niger et le Burkina Faso dans la zone 3 se sont donc lancés depuis hier au Palais des Sports de Ouagadougou à la conquête de ces quatre places disponibles. En dames, le Burkina Faso a disposé du Niger 3-7 à 1 au terme d'un match d'un niveau moyen. Une victoire qui satisfait tout de même le coach Souleymane Belloum. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que l'équipe adverse a pu prendre un set. Bon, ça peut arriver des moments où c'est un peu bas, mais heureusement qu'ils ont pu régler pour pouvoir remonter. Je pense que si on rentre, il y aura un certain nombre de réglages que nous aurons à faire pour pouvoir encore se retrouver. Le Nigeria et le Ghana ont livré un match assez plaisant. Il a fallu recourir au set décisif pour départager les deux formations. Score 3-7-2 pour le Nigeria. En homme, Wilfried Kidi et ses coéquipiers n'ont pas tenu le pari. Ils sont tombés devant les Ghanéens un peu plus athlétiques et plus dynamiques dans le jeu. Score final 3-7-1 pour le Ghana. En tant que pays organisateur, on tenait à marquer notre empreinte. Malheureusement, les garçons ont mis vraiment du temps, la difficulté à rentrer dans le premier set, ce qui nous a vraiment causé beaucoup de difficultés. Et à un certain moment, on a perdu confiance en nous. On est revenu au troisième set et malheureusement au quatrième set, on a recommencé à commettre les mêmes erreurs au bloc, en réception et en soutien. Et ça ne pardonne pas et nous sommes désolés de perdre le premier match. La dernière rencontre a vu la victoire du Nigeria sur le Niger au tie-break 3-7-2. La compétition se poursuit ce jeudi avec à 12h en homme Burkina Faso-Niger, suivi de Nigeria-Ghana et à partir de 16h en dame, Nigeria-Burkina Faso et Ghana-Niger. Le Burkina Faso doit donc batailler fort pour espérer arracher un billet qualificatif. C'est d'ailleurs le souhait du premier responsable du département des sports. Nous pensons que nos deux équipes, féminines et masculines, vont saisir cette occasion pour se qualifier et rejoindre les handballeurs, et les footballeurs et les autres athlètes qui sont déjà qualifiés. On termine ce journal par la revue de presse que nous propose ici Abdourahmane Zongo. Une servante a évité la pendaison d'un enfant à la dernière minute, selon les dernières nouvelles du Faso. Cet enfant, fils d'une famille de Gungay, s'est mis tout seul dans le couloir de la mort en transformant le salon de ses parents en mouroir avant d'être secouru. Selon notre confrère, je cite, « Après avoir trouvé un prétexte pour éloigner la servante, il entreprit de se pendre dans le salon de ses parents. Il ne put malheureusement aller jusqu'au bout de son projet, car la servante qui était revenue plus tôt que prévu alerta les voisins qui le tiraient de ce mauvais pas. Un véhicule 4x4 et un camion citerne sont entrés violemment en collision hier soir sur la nationale numéro 1. L'information nous parvient du journal Le Quotidien pour qui le conducteur du véhicule 4x4 roulait à tombeau ouvert et pire, a tenté un dépassement d'un car de transport en commun. Bilan, 2 blessés graves. Parlons d'autre chose à présent. Assita Ouattara quitte la prison en héroïne. C'est la une de l'Express du Faso qui fait cas de la libération ce 6 mai de la militante de la nouvelle alliance du Faso, NAFA. Notre confrère commente l'événement. Il est 14h01. Assita Ouattara, l'héroïne du jour, descend du véhicule à bord duquel elle a quitté la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Accompagnée par une foule de militants, de sympathisants et d'amis, de la sortie à son domicile, Assita Ouattara a franchi le seuil de sa concession à 14h09. À aujourd'hui au Faso, un militant apprécie la relaxe. Cela peut représenter beaucoup de choses pour la NAFA, car c'est une femme battante et on l'a accusée de complot contre la sûreté de l'État. Sans preuve, le dossier est vide. Cette actualité de la militante de la NAFA, Assita Ouattara, ex-députée du CDP, n'éclipse pas une autre actualité poignante, la fin du non-recevoir de l'ex-parti au pouvoir. Pour le quotidien d'État, le Conseil constitutionnel juge irrécevable la requête des avocats demandant de déclarer anticonstitutionnel le nouveau code électoral.
La requête du CDP et compagnie est irrécevable, déclare le Conseil constitutionnel, également dans les colonnes de l'Observateur. Notre confrère des éditions Le Pays fait un bref rappel selon lequel la loi du 7 avril votée sur le code électoral, je cite, a été contestée par l'ex-majorité alliée qui ont saisi le Conseil constitutionnel afin de voir déclarer anticonstitutionnel les dispositions des articles 135, 166 et 242 de la loi 014 du 3 juillet 2001 portant code électoral. Le verdict est tombé ce 5 mai, requête rejetée. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.